Bonjour à tous, c'est Matt du 29 et donc on se retrouve sur Farming Simulator 18, donc c'est parti pour la suite. Donc on a dit qu'on allait essayer de mettre à fond tous nos silos. Donc pour l'instant, on va dire à ça, allez, on va dire 100 000, pourquoi pas 100 000 litres. Dans tout sauf colza et maïs. Comme ça, ça sera bon. Donc lui, on va le mettre à sa place. C'est pas encore prêt, mais presque. Celui-ci, on va le mettre ça au silo. Ça, on avait terminé la semaine dernière. Celui-ci, c'est... C'était pourquoi déjà ? Métailleur. Bétailleur ou vente d'animaux. Pourquoi pas bétailleur. En cochon on est comment? Non. Je vais faire les moutons. On va faire les moutons pour commencer. Merde, le champ de colza n'a pas encore commencé à être prêt, donc là du coup on peut continuer avec ça. On a 80. Allez hop, vas-y, c'est parti. Ah oui, je vois où on est. Non. Cela, il faut que je les laisse. Ah si, ça y est, je vois à peu près où on est. Donc j'avais coupé deux en bas, ou deux ou trois ou quatre même. On va dessoucher leurs souches, on va les enlever. Lui, avant de commencer à faire quoi que ce soit avec lui, on va aller l'amener en haut. On va continuer de dessoucher ici. Il n'y a pas d'autres souches. Non, elles sont en bas. Il y en a deux en bas et puis après, il faudra se diriger vers la série pour couper les autres. Hop. Donc du coup, celui-ci, comme on a terminé avec ça, je vais l'amener ici, en automatique. Je vais faire ici. On va mettre celui-ci à les vendre. Et celui-ci, on va commencer à couper des souches. Ouais, ils sont pas fut des fois, hein, putain. Alors il faut les mettre à 3 km du bord.
t'amuses pas à te bloquer, hein. Bon, très bien. Il y a des sous-choses qui arrivent. Alors, du coup, on a besoin de 4 armes. Donc, on va couper déjà celui-ci. Alors, celui-ci qui est là, il est terminé. Le prochain, donc celui-ci, on va l'amener sur le champ là-bas. Ce sera le dernier champ à faire en paille. Donc je la mets là seulement. Pomme de terre. Ah. En priorité, ça va être l'argent. Moi, je vous dis tout de suite. Alors, toi qui as terminé. 1, 2. Donc, le troisième, c'est celui d'à côté. Donc, dernier champ de colza. Tac. Toi, je te lance. C'est quoi que je cherchais lui? Ah oui, la grosse remorque. Et du coup, c'est de la pomme de terre. Donc on va charger de la pomme de terre dedans. Donc c'est celui-ci. Il y a au moins facile quelques remorqués. 3000. Allez, vas-y. Il faut le reculer un petit peu, sinon on pourra pas prendre les moutons. Tac. Lui qui est arrivé, par contre avec lui je vois rien. On va couper celui-là. Voilà, c'est coupé. Toi, tu remontes ici. Voilà. Alors, ah mais du coup j'en ai pas coupé trop encore. Bon, c'est pas primordial les armes, franchement. Primordial, c'est déjà d'avancer au niveau des récoltes. Après on verra pour tout ce qui est arbres et tout ça. Donc on va ramasser les boîtes qui sont sur ce champ. On a commencé par quoi la semaine dernière? Par les cochons ou par les vaches? Non, c'est pas ça, c'est ça. Statistiques. On est à 77 ici et 80 là, donc ça sera les moutons, les cochons. On ira où on ira mettre ça. Hop. Ah, super. Hop. OK. Allez, on va faire tout ça. Mais écoutez, ça va faire une remorque pile poil. Alors, ce qu'on va faire par contre, c'est qu'on va déposer celui-ci sur l'autre champ. Et on va activer l'automatique pour qu'il aille mettre toutes ses bottes au cochon.
Ok, le cochon, c'est parti, on y va. Ça, c'est pas encore prêt. Donc ici, on a fait du coup deux armes, donc ça, ça sera le quatrième. Et avant de faire quoi que ce soit, on va aller ramasser les arbres qui sont derrière. Et on va le mettre comme ça. Allez, encore une remorque. Ok, celui-ci qui est revenu, on va pouvoir remplir le reste de la pomme de terre. Et puis ben, on va aller vendre le reste. Il reste encore 6 minutes, donc il a le temps normalement. Ouais. Tu nous fais quoi? Ouais, c'est parti. Bon. Ici, on va ramasser les arbres. Celui-ci, il a été coupé. Donc, ça fait 1, 2, 3. Le quatrième est au fond. Tac. On coupe. Ça, c'est pas prêt. Celui-là, il l'a terminé. Du coup, on va mettre sur celui-ci. Et celui-ci, et ben du coup après c'est du maïs. Je vais commencer par celui-ci. Mais on fera ça quand on aura commencé à récolter le dernier champ. Ou le deuxième. Comme ça, on va pouvoir lancer après la semaine de ceci. Voilà. Donc, ceci revient. Le quatrième a été coupé. On va se mettre en préparation pour la prochaine. Donc, on va se mettre bien comme ça. Donc là il reste normalement deux arbres à ramasser. Celui-ci plus celui là-bas. Hop. Par contre ça va pas le faire ça. Remplissage. J'aurais dû le faire avant de commencer le champ. C'est pas grave. Hein. C'est pas perdu pour autant. Donc lui c'est terminé. On va pouvoir le ramasser une fois qu'il sera revenu. Ça c'est terminé. Maintenant c'est direction les vaches et on fait la même chose. Donc là normalement ça doit être 7000. Allez hop. Je pense que ce sera tout. Hop, il se dévie dès qu'il trouve un objet, ça c'est fort. Celui-ci, il manque un arbre à ramasser. Bon, on s'en sort pas si mal. On arrive à quand même à gérer comme il faut. Celui-ci est de retour, donc du coup maintenant on va pouvoir entamer le pressage du dernier champ.
Allez, c'est parti, on y va. Ah, d'ailleurs, comme j'ai terminé cette partie-là, je vais faucher, dessoucher, tout simplement. Hop, on va dessoucher celui-ci aussi. Comme ça, il aura temps de repousser. On verra pour celui-ci plus tard. Allez, lui, comme il est plein, on va pouvoir aller vider tout ça là où il faut. Et on va commencer à enlever, à couper d'autres arbres. C'est parti. Hop. C'est pas encore prêt. Celui-ci, comme il est de retour, on va pouvoir lancer ou relancer le plus vert pour finir ce champ. Celui-là, on verra plus tard. Celui-ci, il n'y a plus rien dans le silo, donc du coup, on va le ramasser. À sa place, c'est-à-dire ici. Allez, en minimum 50 vaches. Pas 58. Hein. Par contre, comme c'est les dernières, je vais remettre celle-là là-bas. Et après, on ira mettre à laver la bétaillère. Allez, c'est parti. On va vendre tout cela. On dessouche celui-ci. Celui-ci, on va attendre un petit peu. Alors, celui-là, c'est fait. Du coup, on va faire celui-ci. Et après, on ira faire l'autobout là-bas. Et celui-là après. Celui au fond là-bas. À côté du. Avant le pont. Avant le barrage. Bah, celui-ci l'a terminé, c'est bien. Ça, c'est pas prêt. Celui-là, c'est terminé. Du coup, bah, on va le mettre à côté. On va repasser dans l'autre sens. Donc ça c'est coupé. Donc je vais couper peut-être celui qui est là. Hop. Tac. Il est déjà revenu lui. Évaporé, il en a fait. Il a fait vite. Du coup il y en a. 3 à ramasser, non 2 à ramasser pour l'instant. On avance. Tant mieux, vaut mieux avancer que ne pas avancer du tout ou reculer même. Des fois ça arrive. Donc là ça va être le quatrième. Et après celui-ci je l'envoie là où on va des fois. À côté du l'un de nos champs, hein. Bah, de toute manière on a tous les champs donc. Hop. Hop. Donc toi, je t'amène tout simplement. Ici. Lui, on va le faire ramasser les trois, bah les trois derniers morceaux qui sont ici. C'est pas encore prêt. Bah du coup, celui-ci,
La presse, elle a terminé. Donc, avant de faire quoi que ce soit, on va tout simplement l'amener ici. Alors, celui-ci, il a terminé, mais il est sale, donc on va le nettoyer. Ça, on peut le dessoucher. Celui-ci, on va faire avec lui le ramassage des morceaux qui sont là-bas. Hop, on va ramasser tout quand même. Moi je vais dessoucher ça en même temps. Voilà. Et avant d'envoyer vendre ces arbres-là, on envoie la machine là-bas, ici. Donc, normalement, les arbres à couper sont là. Là, il y en a deux. Alors, avant de ramasser celle-ci, nettoyage obligatoire. Ah, enfin, on va pouvoir lancer celui-là. Alors, il est où le... Ouais. Celui-ci, c'est terminé. Il est propre. On le range. On est comment au niveau des... Au niveau du remplissage... des bottes. On est à 100% partout, donc du coup... On va aller vendre de la laine et après on ira vendre du lait et ainsi de suite, et comme ça on pourra surtout re-remplir le foin au niveau des poules, les vaches et les moutons. Il n'y a pas de poules ici. C'est dommage qu'ils mettent pas de poules, maintenant ils ont mis des cochons en plus, peut-être qu'ils remettent les poules quand même. Allez, on remplit celle-là à fond. Bah on va vider entièrement, tiens. Comme ça, on sera moins emmerdé. Qu'est-ce qu'il attend lui pour ramasser le dernier là? Ah, c'est vrai qu'on peut pas attendre qu'il est en train de charger le bois. Bon. Je vais l'amener ici là. Voilà. Lui, on va pouvoir dessoucher. Tac. Celui-ci plus l'autre là-bas. Voilà, ça c'est fait. Tac. Celui-ci. Et donc il reste plus qu'à l'amener, celui-ci, là-bas. Au niveau de cette zone. Bon bah celui-ci on va pouvoir l'amener pour la vente à la série en plus, ça tombe bien. Donc il va repasser par là où il était passé. Ou pas. Non, il va passer par l'autre côté. Du coup on va pouvoir couper cet arbre là.
Et nous, on va se retrouver cet après-midi pour le deuxième épisode. Donc on se dit à tout à l'heure, en début d'après-midi. Allez, à tout à l'heure.